together. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, take a covenant keeping God. You are the God of Daniel. Oh, take a covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up your voice? Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, Papa, take a breath to you. Covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, Papa, take a breath to you. Covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, Papa, take a breath to you. Covenant keeping God. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, Papa, take a breath to you. Covenant. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no. Tu peux pas.
l'esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Oui, souffle ton esprit. Félicitations à la grâce de Dieu chez les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? C'est comme ça que vous acclamez. Les femmes, soyez bénies. Vous avez encore une fois de plus prouvé que sans la femme, la vie n'a pas de sens. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé la femme. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, le miracle de Dieu sera sur vous. Amen. Et pour que ce miracle arrive, Dieu veut faire susciter aussi parmi vous les hommes de foi et les femmes de foi. Est-ce que vous savez que la foi est un don? Tout le monde n'a pas la foi à l'église. Hein? Tout le monde a cru. Mais tout le monde n'a pas le don de foi. Et le don de foi, c'est ceux qui ont la capacité de dire ce que Dieu nous demande de faire là. Logiquement, c'est impossible. Mais je crois qu'avec mon Dieu, c'est possible. Est-ce que vous croyez? C'est ça le don de foi. Il arrive parfois, on veut même s'engager à certaines choses. Quand on regarde la réalité, on se dit, attention. Mais il y aura toujours une petite voix qui va se relever, qui va sortir là. Vous avez peur de quoi? Ça va marcher, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Que Dieu bénisse quelqu'un très fort.
Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je crois que Dieu nous montre aussi là que il faut que nous continuions à travailler. C'est notre première expérience depuis que nous sommes ici d'organiser un événement. Cet événement n'est que les prémices de la grande du grand événement que nous allons organiser, si Dieu le veut, dans un an, pour l'inauguration de ce temple. Et je sais que nous avions été bénis. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En coupant le courant, il a retardé ceux qui voulaient venir très tôt. On leur a dit que non, le courant est déjà coupé là-bas. Donc, attendez. Dieu dit, ok, je vous ai toujours dit que vous êtes mes enfants, je vous maîtrise. Pendant que le courant est coupé, ceux qui préparent, préparez maintenant. Et lorsque presque tous les repas étaient déjà prêts, il a envoyé, il dit, bon, donnez-leur le courant maintenant. Et le courant est arrivé. Et quand le courant est arrivé, les hommes de Dieu ont démarré pour venir. Dieu est comme ça. Dieu ne nous explique pas tout sur le miracle. Dieu ne va pas te dire ce qu'il va faire. Dieu ne nous a pas dit, allez-y, faites, vous savez, je vais multiplier votre nourriture, je vais faire comme ça. Dieu a besoin de quelqu'un qui dit, je crois. Quand tous les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils sont allés explorer Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu des géants. On a envoyé 70 personnes. On ne peut pas aller attaquer une usine. Allez-y faire l'expertise. Amenez-nous le rapport. Ils sont arrivés. Ils ont vu. Vous connaissez l'histoire. Rahab, la prostituée, les a cachés. Eux, ils étaient à l'intérieur. Quand ils ont regardé la ville, ils sont rentrés. Moïse leur pose la question. Le pays est comment? Sur les 70, il y a les uns qui ont commencé à dire, ah papa, le pays que nous avons vu, c'est un bon pays. Mais là-bas, il y a les fils d'Anak. Il y a des géants. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Non. En parlant ainsi, ça décourageait le peuple. Et les gens ont commencé à dire, Moïse, tu entends? Là où tu dis que nous devons partir, là où coule le lait, il y a les fils d'Anak, il y a des géants, retournons en Égypte. L'Égypte était mieux. Mon frère, le passé, ton passé ne sera pas mieux que ton présent. Même lorsque vous vous trouvez en difficulté, ne pensez jamais un seul instant que votre passé était meilleur que votre présent. Je crois que ton présent va défier ton passé. Dieu va te rendre heureux dans ton présent. Crois-le à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Mais parmi toutes les personnes qui ont exploré, il y avait deux qu'on appelait Caleb et Josué. Caleb et Josué, lorsqu'ils ont vu le peuple commencer à se décourager, ils ont dit, calmez-vous. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ça c'est quoi? Le pays que nous avons vu, c'était un pays où coule le miel, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les fils d'Anak. Il y a des géants, on les a vus. Mais ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Nous allons nous emparer de ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, ils nous serviront de pâture. Allons et prenons possession. On a besoin des gens comme ça dans le neige. Et l'Éternel dit à Moïse, Moïse, tout ce peuple qui a vu tous les miracles que j'ai faits, mais ils ne croient pas. Même la terre qu'ils sont allés regarder là, ils ne rentreront pas. Excepté Caleb et Josué. Quand Dieu vous promet quelque chose, vous pouvez vous-même retirer de cette chose parce que vous doutez. Je te dis, en ce qui te concerne, Dieu t'a fait des promesses. Quelles que soient les circonstances que tu vis, ne les regarde pas. Crois, la promesse de Dieu sera une réalité dans ta vie.
Est-ce que ton amen est avec moi? Ce qui m'a toujours fortifié et me fait tenir debout jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je crois toujours, même quand on ne doit pas croire, je crois. Pourquoi? Parce que je suis habitué que ce Dieu surprend. Alléluia. Et c'est comme ça que tout ce que nous avons fait, les femmes qui ont été en première ligne, les hommes aussi qui ont travaillé, mais les femmes ont souffert. Et c'est Dieu qui reçoit la gloire. Le travail des femmes, le travail des hommes, la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité lui reviennent à lui seul. Soyez dans la foi. Notre Dieu nous fait avancer. Amen. Maintenant, j'aimerais vous partager juste un peu. Je sais qu'on a travaillé. Il y a des gens qui sont encore en train de travailler. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Je vais vous parler de ce qu'on appelle un bon cœur. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je vais vous parler avec le cœur. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, faisons-le avec un bon cœur. La Bible déclare quelque part, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Parce que, Dieu merci, j'ai vu un verset hier que je suis en train d'étudier. Le verset consiste à ce qu'on dit souvent aux gens, donne ton offrande, fais ceci, Dieu va te bénir. Et parfois, on dit souvent aux gens que non, quand quelqu'un te dit fais ça, Dieu va te bénir, ne crois pas, Dieu t'a déjà béni. Et après, je suis en train d'étudier l'Ancien et le Nouveau Testament. Les gens que Dieu avait même déjà bénis, il leur dit, si tu fais ça, tu seras béni. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que Dieu lui-même avait déjà bénis. Mais le même Dieu vient leur dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, je te bénirai. Si tu fais telle ou telle chose, je te bénirai. Parce que la bénédiction est dimensionnelle. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité. Mais il y a les voies que nous devons respecter. Si nous obéissons à ces voies, toutes ces bénédictions vont devenir une réalité pour notre vie. Et c'est ce que Dieu dit, si tu fais comme ça, moi l'Éternel, je te bénirai. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas tout simplement rester que l'Éternel m'a déjà béni, c'est tout. Je ne dois pas donner ma dîme, l'Éternel m'a déjà béni. Ceux qui disent aux gens, donnez votre dîme et vous serez bénis. Non, vous êtes déjà bénis. On est déjà bénis. Il y a la bénédiction spirituelle qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais il y a la bénédiction sur le travail et l'œuvre de nos mains qui vient de la part de Dieu qui est nécessaire pour tout le monde. L'Éternel avait béni Israël, les 12 tribus d'Israël, il les avait déjà bénis. Mais regardez toute leur vie. Si tu fais ça, tu seras béni. Comment Dieu dit qu'il va bénir à une personne qui avait déjà béni? Et ce Dieu ne change pas. Tu es béni, oui. Mais si tu respectes ce principe-là, l'Éternel qui t'a déjà béni te bénira encore. La bénédiction, c'est comme le révérend nous a expliqué, est comme l'onction. Que l'onction travaille, c'est comme de l'huile. La même huile, tu prépares le poisson, tu prépares, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ça a besoin d'être renouvelé. Et on ne doit pas se contenter de la bénédiction que Dieu nous a fait en tant que position dans sa maison pour penser que les choses vont changer dans notre vie si nous ne respectons pas les principes qui favorisent à ce que cette bénédiction
devienne une réalité dans notre quotidien. Donc, les gens qui ont le bon cœur agissent. Toute personne qui a un bon cœur sera bénie. Tout ce que vous faites de bon cœur, Dieu se souviendra de vous. Et si Dieu ne vous bénit pas directement, vos enfants seront bénis. J'ai une famille au Rwanda, ce sont des parents. Je l'ai compris que vers les années 2000, je peux me dire 2010, quand j'ai commencé à étudier certaines malédictions et certaines bénédictions. Parfois nous prêchons les malédictions, prêchons aussi les bénédictions parentales. Je connais une famille, c'est un parent à moi. Ils sont en fac. Son papa était un pasteur. Les anciens pasteurs que les Américains avaient reçus ici sont protestants. Et j'avais appris que son papa avait reçu le Saint-Esprit. Et à l'époque, on baptisait les gens à l'église dans le baptistère. Après, son papa était parti. Mais tous ses enfants sont bénis. Ils ne vont pas dans les églises de réveil. C'est après les années, on commençait à leur prêcher. Tous leurs enfants, toutes les filles sont en mariage. Tous les enfants ont réussi dans tout ce qu'ils entreprennent. Après, j'ai commencé à leur prêcher l'évangile. Habitat, j'ai prêché l'évangile ici. Toutes les filles travaillent. Tout le monde. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens pensaient même que c'est la sorcellerie. Non, qui vous a dit que la sorcellerie fait du bien? Écoutez-moi. En dehors de la malédiction parentale qu'on vous explique, moi je vous parle de la bénédiction parentale que nous ignorons. Que ça soit au sud du Gabon, quand les Américains sont arrivés, au centre, au nord, les Gabonais ont eu la culture de l'hospitalité, de recevoir des missionnaires. Beaucoup de familles s'étaient dépouillées pour mettre leur terrain, leurs biens, leurs semences à ces missionnaires qui sont arrivés dans notre pays. Le fait que beaucoup de parents l'ont fait, Dieu a béni plusieurs familles. Au point, un enfant aujourd'hui, il voit que sa vie réussit. Il pense que sa vie réussit partout parce qu'il est intelligent. Mais ce qu'il ignore, c'est que son père ou son arrière-grand-père a prié pour sa progéniture et il a fait des dons et des offrandes et ça commence à impacter. Je veux que quelqu'un dise amen à cela. Le travail que vous êtes en train de faire n'est pas seulement pour vous, c'est pour vos enfants. Dieu n'oublie jamais un bienfait. Dieu ne restera jamais et dit je vous dois. Bien, vous me devez quelque chose. Tout ce que vous faites, Dieu vous le rend. Et quand j'ai commencé à prêcher à cette famille, ils ont commencé. Et c'est bizarre. À chaque fois qu'on les prêchait, tout de suite, elles croyaient. Elles n'étaient même pas le genre que tu lui prêches. Elle va te dire que c'est quoi ça. Dès que tu dis, allons-y à l'église. Et je peux vous dire que toutes ces filles, je les connais, elles sont peut-être 4 ou 5. Ils sont rentrés dans les églises pentecôtistes charismatiques. Leurs enfants prient. Le terrain a été préparé dans le monde invisible. Il n'y a pas que la sorcellerie qui impacte de génération en génération. La bénédiction aussi peut impacter de génération en génération. Si moi, je n'ai pas eu quelqu'un dans ma famille de très loin qui n'a pas prié pour moi, mais à partir de moi, une famille nouvelle est née. Une famille nouvelle est née parce que je vais me positionner comme intercesseur. Je vais me positionner comme quelqu'un qui investit pour la gloire de Dieu, pour le bien de mes enfants et de ma progéniture.
Lorsque vous étudiez en tout ce qui concerne la bénédiction de l'Éternel ne s'est jamais limitée à impacter un seul individu. Jamais dans la Bible. Vous regardez toutes les Écritures. De la même que la malédiction voyage. Mais la bénédiction voyage plus. Regardez qu'il est écrit. De la même manière que le péché a affecté le monde entier, la grâce surabonde sur tout le monde. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la il y a que les liens de sang de malédiction, mais il doit aussi avoir les liens de sang de bénédiction. Il y a aussi des liens de sang de bénédiction. Je veux que les gens disent amen. Et là, j'interpelle aussi nos prédicateurs, nos amis, nous qui sommes dans le combat spirituel. Ne nous appuyons pas seulement que sur les liens de sang de malédiction. Oh, papa a mangé le bouti, il y a un esprit qui est rentré dans la famille, l'esprit l'a fait des dégâts, il est en train de détruire parce que mon grand-père a fait, c'est possible. Mais n'oublie pas aussi que papa a donné ses bananes, son mouton, son poulet aux missionnaires. Il leur a investi, il a dit, je vous donne ça parce que je crois en votre Dieu. Et si papa n'est plus là, les liens de sang de bénédiction doivent couler jusqu'aujourd'hui. Regardez Israël. Israël ne croit pas en Jésus. Pourquoi ils sont partout? La connaissance c'est eux. Tout c'est eux. La richesse c'est eux. C'est les liens de sang. De bénédiction. À cause de Dieu, de leur Père. Soyez bons. Soyez bons. Je vous exhorte, soyez bons. Soyez saints. Ayez un cœur qui est rempli d'amour et de foi. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Hébreux. Allez-y. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Ah. Quelques-uns ont logé qui? Des anges. Sans le savoir. Savoir. Que Dieu vous bénisse. Dites amen. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car quelques-uns, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je suis très content de ce que nous avons bien reçu la force. En recevant la force, ce sont les anges que nous avions reçus. Parce que la Bible déclare, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense de quoi? Du prophète. Je vais attirer votre attention. Il dit, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous êtes bénis lorsque vous logez des anges sans le savoir. Que lorsque vous logez les anges, lorsque vous le savez. Je vais le redire. Vous êtes bénis lorsque vous logez des anges sans savoir que c'est un ange que je suis en train de loger. Que lorsque vous logez un ange, vous savez que là, c'est un ange que je suis en train de loger. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que si un ange vient chez toi, tu vas le traiter parce que tu sais que c'est un ange. N'est-ce pas? Tu vas tout faire parce que tu sais que c'est un ange. Tu vas améliorer tout ce qu'il faut améliorer parce qu'au départ, ce n'est pas que ça vient du cœur, ça vient de ta tête parce que tu sais qui il est. Et lorsque tu sais qui est la personne, tu essayes de tout faire qui correspond à son standing. C'est la raison pour laquelle les anges qui doivent déposer la bénédiction dans votre vie ne viennent pas dans l'apparence des anges.
Parce que pour faire ressortir la bénédiction, il doit venir comme un homme qui est inutile. C'est en ce moment qu'ils vont détecter ta vraie personnalité, comment tu peux recevoir. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un ange qui vient chez toi, paf, il arrive. Tu vas le traiter comme un ange. En le traitant comme un ange, rien ne prouve que tu es bon. C'est comme si je vous ai dit, quand nous sommes à l'église, on est tous bons. Parce que nous savons qu'on est à l'église. Si moi, le pasteur, je viens chez toi, tu vas bien me recevoir parce que tu sais que c'est le pasteur. Mais, si l'ange vient chez toi déguisé en quelqu'un que tu ne dois accorder aucune valeur, tu vas le recevoir comme ça. Et tu n'es pas béni. Voilà pourquoi il dit, quelques-uns ont logé les anges. Il met le mot là, sans le savoir. Et lorsque nous regardons toutes les personnes qui ont reçu les anges, sans le savoir, ils ont été tous bénis. Abraham est dans sa maison, il a vu 3 hommes. Je vous dis qu'Abraham ne connaissait pas qui sont ces gens. L'homme que tu dois faire du bien, tu n'as pas besoin de le connaître en profondeur. Dieu se cache dans l'homme et voit comment tu veux le traiter. Chacun de vous est un ange pour l'autre. La personne qui est assise à côté de toi est un ange. Il ne faut pas que nous sélectionnons nos anges auxquels nous devons bien traiter. Les anges sont avec vous tous les jours. Donc, Abraham va recevoir les gens. Il dit, ne passez pas. Il se fait tard. Arrêtez et mangez. Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à manger. Abraham recevait des hommes. 3 hommes. Après avoir mangé, Abraham a commencé à constater que ces 3 hommes sont bizarres. Et ils lui ont dit qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. N'oubliez pas qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Et ils ont reçu 3 hommes. Et le premier signe que nous constatons, la réception a été très bien faite au point que un de ces gens disent, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ton fils, ta femme, aura un enfant. Lorsque tu reçois les anges, sans le savoir, ils déposent la promesse de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Parce que les anges sont des envoyés de Dieu. Ils sont au service des hommes. Soit pour vous amener les messages, soit pour déposer la grâce, soit pour vous annoncer le temps est déjà proche, soit pour venir participer à une bataille dans ta maison pour te donner la victoire. Je le crois. Ton frère est un ange. Ils ont reçu les anges sans le savoir. Ça signifie que ils ont traité ces gens comme s'ils étaient des anges, bien que eux-mêmes dans leur intelligence, ils ne pensaient pas que ce sont des anges. Donc, cette dimension ne peut se manifester que dans le cœur de ceux qui sont remplis d'amour. Alléluia. Faites attention à la manière dont vous traitez les gens. Vous n'avez pas la miséricorde. Faites tout sans attendre une récompense. Faites tout sans attendre des acclamations. Tout ce que vous faites pour les hommes, ne l'inscrivez jamais dans le livre de souvenirs. Chaque fois que tu poses un acte pour Dieu, ne l'écris jamais.
Laisse Dieu se souvenir de toi au temps convenable. Un homme ne te doit rien, mais Dieu va te donner tout. Amen. Et c'est comme ça que Dieu bénit les gens. C'est votre cœur, bon cœur, qui fait que Dieu manifeste sa grâce. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu regardes un homme de Dieu, regarde beaucoup plus le côté où la grâce de Dieu est dans la vie de cet homme. Parce que si vous ne regardez pas des autres comme Dieu les regarde, vous n'allez jamais les servir comme vous devrez normalement les servir. Parce que les défauts des humains freinent notre amour à l'égard de ces humains. Plus tu découvres le défaut sur ta sœur, sur ton frère, moins tu as l'enthousiasme d'être avec lui. Que le diable ne passe pas le temps de vous ouvrir les yeux sur ce qui est mauvais sur les autres, mais que l'esprit vous ouvre les yeux sur ce qui est bon chez l'autre. Alléluia. Et hier soir, nous on pensait qu'on a reçu la force. La fédération est venue ici. Mais on s'est investi comme si c'était Dieu lui-même qu'on recevait. Et malgré quelques difficultés, Dieu a béni. Et le verset qui me revient, je termine par ça. Non seulement on sert les anges, mais il dit le prophète lui, ce n'est pas un ange. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Chaque homme de Dieu qui se déplace et qui rentre dans cet endroit est accompagné d'une grâce excellente et différente. Et celui qui reçoit un prophète en qualité, je vais vous expliquer ce qu'on appelle en qualité de prophète. Vous savez, ce n'est pas recevoir quelqu'un que Dieu demande. Ce n'est pas recevoir les hommes de Dieu, mais c'est de recevoir l'homme de Dieu selon sa qualité, selon son grade. Parfois, il y a les gens qui appellent les hommes de Dieu, « Oh, mon boss !» Parce qu'il est homme de Dieu, je respecte la grâce de Dieu. Donc, je m'approche de lui en qualité de sa dimension de prophète. Vous avez vu, quand j'ai présenté les hommes de Dieu, j'ai présenté avec des honneurs. C'est ce qu'on appelle recevoir un prophète en qualité, c'est-à-dire à sa dimension. Quelle que soit la grâce qui est sur toi, même si tu es super spirituel, lorsque tu reçois un grand en âge, en ministère, il faut le mettre à la dimension de la grâce de Dieu qui est sur lui. C'est ça là qu'on appelle recevoir un prophète en qualité de prophète. Et celui qui le fait reçoit la récompense. Je sais que j'ai attrapé ma récompense hier. Je sais qu'au nom du ministère, nous avons attrapé la récompense qui les accompagne. Cette récompense est tombée dans notre église au nom de Jésus-Christ. Recevoir un prophète en qualité de prophète. Parce que les hommes de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui vous donne à boire, me donne à boire. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
une chaîne de bénédiction. Lorsque je reçois la parole qui sort de la bouche du pasteur, je reçois la parole qui sort de la bouche de Jésus, je reçois la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un maillon que le diable ne pourra jamais briser. Quelqu'un, vous savez, dites que la nourriture est un mystère. Répétez après moi, la nourriture est un mystère. Vous comprenez? Quand on vous prend une pensée que c'est la blague, dites la nourriture est un mystère. La nourriture est un mystère. Ne blaguez pas avec la nourriture. Les anges ont mangé chez Abraham avant de lâcher, parce que dans les entrailles des anges reposait une prophétie, et cette prophétie ne peut sortir que si le ventre est plein. À la même époque, je rejoindrai et Sarah, ta femme, aura un enfant. Ils ne l'ont pas dit avant de manger. Isaac ne voit plus et va bientôt mourir. Il dit à Ésaü, cherche quelque chose à manger pour moi afin que mon âme te bénisse. Quel rapport, papa, tu veux bénir ton fils et tu lui donnes une condition, apporte-moi à manger. La nourriture provoque des choses. Vous-même faites la preuve avec vos amis et vos copains. Amène quelqu'un au restaurant, ces boyaux seront ouverts, même les secrets. Amène quelqu'un au restaurant, aller manger. Il va commencer à te révéler tous tes ennemis. C'est facile là, dans le lieu. Je te donne un secret dans le lieu où tu travailles. Si tu sens qu'on te critique, mais tu ne sais pas de quoi on parle de toi. C'est ça. Prends un, amène-le dans un grand restaurant. Dis non, peut-être aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je veux vraiment qu'on mange. Prends tout ce que tu veux manger, maman. Tu veux écouter même les secrets du DG contre toi. Ça sort. Ça sort. Donc, Isaac doit bénir son fils. Il dit à son fils, prépare-moi à manger. Lorsque il est écrit quelque part, les dons d'un homme lui donnent accès sur le palais des rois. Les dons d'un homme lui donnent accès. Donc, quelqu'un peut venir chez toi. Bonjour, ça va. Mais quand quelqu'un mange, la nourriture est un élément qui provoque la bénédiction. La nourriture nous entraîne dans des alliances. Par la nourriture, quelqu'un peut être détruit. Par la nourriture, quelqu'un peut être béni. Ne vous amusez pas. Donc, pour moi, c'était un signe. Ce que vous avez préparé, ils ont mangé. Et pendant que j'étais assis, je dis, le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais le ciel est ouvert si tu le fais avec joie. Si tu le fais sans murmure. La preuve, nous avons encore sur cette estrade et sur ce sol les marques de l'onction qui a été versée comme de l'huile et qui reste ici de manière permanente. Que Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les personnes, bien que l'Éternel était béni de toutes sortes de bénédictions, toutes les personnes, Abraham était béni. Mais chaque fois Dieu te dit, je bénirai, je te bénirai. Donc, travaillez avec un très bon cœur, car votre récompense sera grande. Recevez un prophète en qualité de prophète. Le don ne te donne pas la supériorité. C'est l'appel qui fait la différence. La supériorité, c'est l'appel. La supériorité, ce n'est pas le don. Je peux faire des miracles, mais je ne suis pas plus grand que le pasteur Gaspard, parce qu'il a commencé avant moi. Je peux même commander le feu, et le feu descend ici. Commander le feu et descendre ici,
ne me donne pas le droit de penser que je suis plus grand que l'apôtre Francis. Parce que le don ne te donne pas la position de la hauteur. Les dons sont pour l'édification. Dieu peut ne pas donner quelqu'un le don des miracles, mais il peut lui donner le don de produire des enfants. Et dans la vie, tout le monde n'aura pas la capacité de construire un bâtiment. Dieu n'a pas appelé tous les pasteurs d'avoir les bâtiments. Il y a des gens qui n'auront pas de bâtiment, mais qui pourront faire le monde entier en train d'évangéliser les autres. Dans la vie, il faut toujours chercher à comprendre à quoi Dieu m'a appelé. Et ne pas toujours vouloir faire des choses parce que les autres font. Tu ne t'appelles pas les autres, tu es différent. Tu n'es pas obligé de passer par où tous les autres sont passés pour réussir. Rien ne te dit que le chemin par lequel les autres sont passés pour réussir, si tu passes sur le même chemin, tu réussiras. Dieu t'a tracé un autre chemin différent. Découvre ce chemin à partir de maintenant et tu réussiras. Les uns pourront prendre un grand boulevard, mais toi, tu pourras prendre un chemin rocailleux. Je peux vous assurer, vous allez tous arriver à la même heure, à la même seconde, au même endroit, là où la croix de notre Seigneur Jésus nous attend. Personne n'ira plus vite parce que son chemin est facile. Et personne ne sera en retard parce que son chemin est difficile. La croix à la même distance de tous les côtés, mais que chacun rentre avec la grâce de Dieu où l'Éternel l'a appelé. Est-ce que je dis amen? Est-ce que ça dit du bien à quelqu'un? Oh, recevez la grâce de Dieu dans votre vie. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Et c'est ça que je voulais vous réconforter ce matin. Je prie Dieu qu'il continue encore à vous bénir. Je prie Dieu que vous compreniez que tout ce que vous faites pour Dieu, vous êtes en train de bâtir une nouvelle génération, une nouvelle famille. Ne pensez pas seulement que c'est le mal qui doit aller de génération en génération. Le bien va de génération en génération. Alléluia. Je sais, quand je regarde 2080, si Jésus ne vient pas, je peux voir tes enfants en train de prêcher, les petits de tes enfants, être des DG quelque part, être les pilotes d'agents, être des grands prédicateurs, parce que quelqu'un a pleuré. C'est possible. Tous les Américains que vous voyez aujourd'hui, les grands prédicateurs, ils ne sont pas grands prédicateurs que vous voyez aujourd'hui forcément parce que c'est l'Amérique. Ils sont grands prédicateurs aujourd'hui parce que quand tu écoutes le témoignage de chacun, quand il prêche aujourd'hui, le monde entier regarde. Mais ce n'est pas lui, c'est son papa. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait ses soeurs, il y avait ses frères. Le frère même qui devait être pasteur, ce n'est pas lui. Quel est le fils qui va devenir pasteur? C'est son fils qui était caméraman. Et Joël, qui n'était qu'un caméraman. Voyez-vous? Et quand vous regardez l'histoire de son papa, c'est sa maman. Et quand vous continuez, ils sont en train de vivre une génération où quelqu'un dans la famille a fait quelque chose, a travaillé, et ça impacte les générations. Mais nous sommes en Afrique. On sort du Njobi, du Bouti, de la tradition. Ça signifie que ceux qui vont commencer à manger des grands fruits de la famille, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants de nos enfants. Les enfants de nos enfants ne combattront pas les démons que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Les démons que nous combattons aujourd'hui, nous les détruisons. Ils n'auront plus de force. Parce que c'est nous qui avions détruit les alliances diaboliques. Et eux, ils seront là seulement pour imposer l'autorité de l'évangile dans l'Afrique. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bons. Soyez comme le bon samaritain. Où il trouve quelqu'un qui est allongé sous le sang.
je prêcherai ce message un jour. Le bon samaritain ne cherche pas l'identité de la personne qui souffre. Le bon samaritain est très sensible quand ça ne marche pas. Que Dieu vous donne dans l'église ce cœur qui est trop sensible lorsqu'il y a des failles au niveau du ministère. Et si Dieu vous a amené ici, je vais vous dire quelque chose. Nous avons des défis à relever. Nous avons des grands défis à relever. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Mais comprenez une chose. Chacun de vous peut être un ange pour l'autre. La sœur que tu vois là, ne regarde pas seulement que la sœur. Dieu peut transformer cette sœur en un ange. Ce frère que tu vois là peut être un ange pour toi. Les anges n'ont ni marque, ni signe. C'est après que tu comprendras que tu étais en face d'un ange. Voyez-vous, la valeur des hommes se découvre lorsqu'ils disparaissent en notre présence. Toutes les valeurs sont cachées lorsque quelqu'un est à tes côtés. Mais quand il disparaît, c'est là où tu comprends sa valeur. S'il vous plaît, chaque visage qui est là est l'ange pour chacun de nous. Ne traite personne avec mépris. Ne parle avec quelqu'un, personne avec autant. Peut-être qu'il s'approche de toi parce que Dieu veut que toi, tu puisses le traiter comme si c'était Dieu lui-même qui était là. C'est ainsi que notre christianisme sera différent de tout si nous traitons les gens comme Jésus lui-même les traite. Et je crois que Jésus a gagné ce trophée sur les 3 ans de ministère. Même si un ange, Dieu l'aurait envoyé pour venir tenter Jésus, comme Dieu ne tente personne, mais Jésus a toujours été égal à lui-même. Un pauvre vient, il l'embrasse. Quelqu'un est dans la boue, il le prend. Une prostituée arrive, il vient se jeter à ses pieds. Il pose sa main, ma fille, tes péchés. Il n'a jamais porté le jugement. Pas parce qu'il ne connaissait pas les péchés de ceux qui l'entouraient, mais c'est parce qu'il devait nous enseigner la leçon de l'amour. L'amour est plus fort et plus grand que le péché. Que chacun prenne cette leçon pour le ministère et pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut crier fort? Amen. Trop beau.
toi. Il bat l'esprit de